l'école numérique Machindano. En ce moment, nous avons une leçon de sciences botaniques. Observez ici. Observez très bien ce que j'ai en main. Vous me dites si c'est quoi? Ici, en main, j'ai une plante. Aujourd'hui, en sciences botaniques, nous voulons parler de l'observation et l'identification d'une plante. L'observation et l'identification d'une plante. Observez d'abord la plante et après nous allons identifier cette plante. Observez. Si vous observez très bien cette plante, vous verrez qu'il y a des parties. Alors, nous voulons identifier ces différentes parties de la plante. Nous avons ici la partie que nous appelons les feuilles. Toute cette partie, c'est les feuilles. Sur cette plante ici, voici les feuilles. Les feuilles. Les feuilles. À quoi servent les feuilles sur une plante? Les feuilles servent à la respiration de la plante. Les feuilles servent à la respiration de la plante. Nous avons une autre partie que nous appelons cette partie-ci, que nous appelons la tige. Sur cette plante qui est au tableau, voici la tige. Ici, nous avons la tige. La tige. La tige sert à fixer la plante dans le sol. Sert à fixer la plante dans le sol. Nous avons une autre partie. Cette partie ici, c'est ce que nous appelons les racines. Les racines. Les racines sont ici. Les racines, elles servent à la nutrition de la plante. Elles servent à la nutrition de la plante. Nous avons une autre partie que nous trouvons ici. C'est ce que nous appelons les fruits. Mais avant qu'il y ait des fruits, ce sont des fleurs qui commencent. Donc nous disons les fleurs et les fruits. Nous avons aussi les fleurs et les fruits. Servent à la reproduction de la plante. Ils servent à la reproduction
à la reproduction de la plante. Nous venons de voir l'observation et l'identification d'une plante. Comme exercice, vous allez dessiner une plante et vous mettez toutes les parties. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous aider.